vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo puisque nous sommes jeudi, je n'ai pas cours et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans ma journée. Je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa et j'ai vu que mon dernier vlog une semaine avec moi vous avez énormément plu. J'ai eu que des bons retours et je suis trop contente. Programme de la journée, bien j'en ai pas. Je sais que déjà je vais au sport ce soir, donc genre réserver ma séance parce que il y a énormément de monde. Je sais pas, ils ont eu des résolutions, ils se sont dit on va se mettre au sport cette année et tout, ce qui fait qu'en fait il y a aucune place à Basic Fit, enfin genre faut réserver genre 6 heures à l'avance, c'est un peu insupportable mais c'est pas grave. Ok, jeudi machin soir, wesh. Mais là pour vous dire il est 12h30 et là les seules séances qui restent c'est de 20h à 21h15, c'est chaud. Tout est ok, thank you, ma réservation est faite. Puisqu'on va faire pour bien commencer la journée, même si je vous avoue il est déjà 13h, pour moi c'est encore le matin, on va se faire des bons petits croissants fait maison, enfin fait maison, faut pas abuser. Non mais c'est moi qui les roule et qui les met au four. Ça vous dit? Let's go. Je sais pas si vous connaissez, mais moi c'est vrai que mon père il en faisait avant. C'est ça. Et genre je vous dis ça, je l'ai eu genre pour même pas 2 balles chez Auchan. Et c'est super simple à faire et ils sont super bons. Alors certes c'est pas des croissants qu'on trouve en boulangerie, la texture etc c'est pas pareil, mais c'est franchement super bon. On va faire ça ensemble parce que je trouve ça trop kiki. Let's go. Ok, 200 degrés, c'est fait. Ok, alors déjà on prépare notre plan de travail. Là c'est magique. Mais regardez comment elles sont trop kiki. Et je vous jure, après, ils sont extrêmement beaux et c'est une vraie tuerie. Parfait. Je voulais venir vous parler d'une marque que vous connaissez sans doute si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, petit aparté dans une aparté, je tiens à vous remercier d'être autant à me suivre sur Instagram. C'est absolument énorme. Tous vos messages trop mignons, remplis d'amour, de bienveillance, d'encouragement, de ci, de ça, c'est juste incroyable pour moi. Et je tiens vraiment à vous remercier pour tout l'amour et toute la force que vous me donnez au quotidien, même tous les commentaires et tous mes vidéos et tout, genre franchement je suis trop contente et je suis encore plus contente de savoir que ce que je fais vous plaît etc et recevoir tous vos petits trucs et tout, enfin bref c'est juste incroyable. Du coup je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Revenons au mouton. Du coup pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram depuis pas mal de temps maintenant, vous devez savoir que je collabore avec la marque Le Petit Métier depuis des mois voire des années. Comme la plupart des jeunes et des étudiants, bah du coup comme moi, on est amené à être très souvent sur nos ordinateurs, derrière nos écrans. Bon ça c'est à côté des études aussi hein, tout ce qui est Instagram, TikTok et tout on connaît. Moi je sais que ça fait du coup 2 ans que je suis de plus en plus sur mon ordinateur parce que déjà que de par ma passion, donc du coup les réseaux, YouTube, le montage etc, j'étais déjà vachement derrière mon ordinateur et là depuis cette année ça y va à balle. Tout ce qui est maux de tête, migraines etc liés aux écrans, franchement il y en a ras le bol. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous parler de cette marque qui est d'ailleurs la marque qui sponsorise cette vidéo. Vous savez que je suis très transparente avec vous par rapport à ça. Donc du coup pour ceux qui connaissent pas vraiment la marque Le Petit Lunetier, c'est en fait une entreprise française qui vend des lunettes anti-lumière bleue, optiques comme solaires, à des prix mais tout à fait abordables. En plus de ça, tous les produits sont certifiés sans nickel, sans plomb et normes de la CE, donc en fait c'est ce qui va vraiment garantir une bonne protection de vos yeux, que ce soit au niveau des écrans, au niveau de l'optique parce que bien évidemment vous pouvez mettre votre paire à votre vue, et aussi au niveau des paires solaires, donc au niveau des UV etc. Bref, tout ça pour vous dire que ce sont des vraies lunettes qui protègent vraiment bien. Et si jamais vous voulez savoir quel modèle je porte actuellement, je porte le modèle Arsène.L, il est super beau, j'adore, pas trop cute, trop mimi. Bien sûr j'ai un code promo pour vous sinon c'est pas drôle, du coup j'ai moins 30% avec mon code EMMA30 qui s'affiche juste ici sur toutes les montures, sur tout le site, cumulable aussi avec les offres du moment, il y a moins 10% il me semble en ce moment, et du coup mon code est valable jusqu'au 1er février et après il passera à moins 10%, donc foncez, c'est maintenant, c'est tout bénef, c'est pour vous. Les croissants sont prêts. Regardez-moi ça. Ils sont pas incroyables mes croissants. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais manger mon petit déj. Je vais quand même pas en manger 4. Quoique, on verra. Je vais travailler, répondre à mes mails et puis on se retrouve après. Parce que je vais me préparer un peu en deux spi pour pas sortir en pyjama quoi, comme j'ai l'habitude de faire. Parce que je dois aller en ville récupérer quelques colis, enfin quelques colis, j'en ai que 2 mais c'est déjà bien. Du coup je me prépare et on y va. Hop, c'est bon
les guys, je suis prête du coup pour vous dire un peu d'où vient ma tenue. Bon, je suis toujours habillée pareil, j'ai l'impression, mais mon trench il vient de chez Bershka, mon jean c'est un Zazie Rousseau, j'ai mis mes Uggs comme d'habitude, c'est l'hiver, ça tient extrêmement chaud donc c'est top. Mon petit pull col roulé comme ça, c'est un Naked, ma petite pochette c'est une Zadig, c'est mon chéri qui me l'a offert à Noël, elle est trop trop belle. On est parti. Bon, c'est bon, j'ai enfin mes colis, j'ai dû parcourir toute la ville pour les récupérer, une galère. Surtout que là je crois que quelqu'un s'est trompé en me donnant un colis qui n'est pas à moi, puisque ce n'est pas mon nom, c'est pas mon numéro, c'est pas mon adresse mail, et ça vient du Portugal de Vinted. Ça je sais pas d'où ça vient, on va ouvrir ça, et ça je sais ce que c'est. Ok, génial. C'est loin d'être à moi ce genre de choses. Oh, ça me saoule, je vais y retourner. C'est gavé loin. Oh, j'ai pas commandé du café sur Vinted quoi. Ça me saoule, je vais devoir y retourner pour récupérer le bon colis. Ça fait super longtemps que je veux un petit sac à main, bandoulière ou sac épaule comme vous voulez, argenté. Puis là je me balade sur Vinted et puis là je tombe sur un sac un peu vintage on va dire, argenté, Zadig et Voltaire. Je l'ai pas du tout pris pour la marque, mais je me suis dit bah, c'est de la bonne qualité et il est vraiment pas cher, donc je me suis dit autant le prendre. En plus j'avais des sous sur Vinted, donc c'est un peu comme si je l'avais gratuit. C'est trop chou, ma vie, un tote bag. Bon, assurance, protection et pas. Bon, c'est pas grave, c'est mimi quand même. Les gars, il est pas incroyable? Je suis trop contente, il est trop trop beau. Je sais pas si je vous ai dit le prix, mais je l'ai eu à 45 balles. Et franchement, pour un Zadig, et on voit pas que c'est un Zadig, c'est ça que j'adore en fait. C'est qu'à la fois c'est de la marque, mais à la fois on sait pas que c'est un Zadig et Voltaire. Non, mais attendez, regardez-moi ça. C'est une pépite. Je suis archi fan. J'envoie ça à mes copines parce que je suis obligée, il est trop beau. Bon, cette fois-ci c'est le bon colis. J'ai trop trop hâte. C'est une marque qui m'a proposé, mais vous allez sûrement connaître. Proposé juste de le tester comme ça et de donner mon avis tout simplement. C'est ça, ça a l'air archi bien. C'est des défroisseurs comme ça, un peu format voyage. C'est comme un fer à repasser mais en plus petit, plus pratique. Surtout qu'en plus moi j'ai pas du tout la place d'avoir une table à repasser et un fer à repasser chez moi. Parfois j'ai envie de mettre des trucs mais c'est tout froissé et je peux pas, je vais pas galérer avec mon lisseur toute ma vie. C'est archi stylé. Bah tu mets ton vêtement qui est tout froissé et tout et tu passes comme ça. Oh, c'est incroyable ce truc. Oh, il y a même des embouts et tout spécifiques. Ah, attendez, moi faut que je regarde un tuto là au cas où. Mais go le tester. Si je teste pas dans cette vidéo, je testerai plus tard. Je range mon petit bordel que j'ai foutu là parce que j'en ai absolument foutu partout. Et puis on se retrouve directement après. Je pense que je vais aller en ville avec une pote. Faut que je vois. Et en tous les cas, j'ai mon sport à 20h30. Bon, on verra plus tard. À toutes. Recoucou les boys, je viens juste de rentrer. Du coup j'étais partie en ville avec une copine à moi. Mais du coup je vais me faire un petit truc à manger parce que j'ai pas mangé ce midi parce que j'avais pas faim et j'avais bien mangé le matin. Là comme ça je mange un peu avant d'aller au sport. Après je vais me poser un peu. J'ai fait des petits achats, j'ai acheté une paire de chaussures en solde chez Stradi et un t-shirt à Bershka, je vais vous montrer ça. Bon bref, c'est pas au bout de tout le monde je pense, mais elles étaient à 15 €, donc comment vous dire que j'allais sauter sur l'occasion pour les prendre. C'est des chaussures comme ça, elles sont grave belles. Moi je compte mettre les lacets roses partout parce que c'est un peu le pourquoi du comment je l'ai acheté. De base elle était à 40, là je l'ai eu à 16 balles, donc comment vous dire que c'était un peu l'affaire du siècle. Et après, vu que je suis totalement fan des t-shirts comme ça, je sais pas pourquoi Bershka en ce moment ils font des t-shirts mais magnifiques. C'est trop mon style, j'adore même pour l'été et tout, incroyable. J'ai pris un t-shirt comme ça, grave cute, métallique, on adore. Du coup voilà, le t-shirt je l'ai eu à 18 balles. Donc là je vais me faire un petit peu à manger parce que là je commence à avoir le bidou qui crie famine. Bon, après avoir bien mangé, je me suis mise en tenue de sport puisque là je vais aller chez ma copine Claire pour ensuite aller à la salle avec Emma que vous connaissez déjà. C'est mes nouveaux ensembles que j'ai reçus de chez Ocean Apart. Ils sont archi beaux, j'aime trop. D'ailleurs j'ai un code promo il me semble encore en ce moment, du coup je vous mettrai directement en barre d'infos. Et hop, on y va, c'est parti. Sipping on, I could love you till the break of dawn. You got everything I want.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. De base j'étais pas du tout censée revenir aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas filmer encore aujourd'hui. Du coup nous sommes vendredi 28 janvier, il est actuellement 13h30 et nous allons concocter un petit repas très youtubeuse, très influenceuse, à base de saumon, d'avocat, de tartines et d'œufs. Le problème c'est que j'ai pas de tartines, j'ai pas de pain de mie, j'ai pas de trucs salés, j'ai que du pain brioché sucré. Je me suis dit peut-être ça peut faire l'affaire et je voulais tester un autre truc, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi de base je mets ça au grille-pain, tu vois, au toaster. J'aurais bien voulu essayer de mettre mon pain brioché sur la poêle avec un petit filet d'huile d'olive et tout, que ça grille un peu. Mais je sais pas du tout si ça va marcher. Au pire, je teste et puis comme ça, je teste pour vous. Et puis si jamais ça marche, et ben tant mieux, vous pourrez reproduire ma recette. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette une petite musique pour cuisiner dans les meilleures conditions possibles. Et puis on se retrouve au résultat final. Ah oui aussi, je voulais grave refaire un tri dans mon dressing parce que je me suis encore une fois rendu compte qu'il y a plein de choses que je ne mets toujours pas. Je voulais pas vous refaire encore une vidéo à part entière puisque je vous en ai fait une il y a pas si longtemps que ça. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous la mets juste dans le i ici. C'est une vidéo entière où je trie mon dressing et je revends tout sur Vinted. Enfin là je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça avec vous. J'espère quand même qu'il y aura pas mal de choses et que je me dirai pas dès que je vois la pièce, ah vas-y ma garde là, parce que là au bout d'un moment c'est bon, il y en a marre quoi. Donc let's go, on va trier tout ça ensemble. C'est parti. Je voilà dans mon dressing, ma partie préférée de ma chambre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Il vient de chez Ikea, j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo. Il a coûté environ 500 €. C'est un sur-mesure de la gamme au-dessus, de la plus connue de celle d'Ikea. Ici on peut retrouver une très très grande partie de mes manteaux, tout ce qui est trench, etc. Mes vestes, que ce soit blazer, veste en jean, en cuir, etc. Cela sur le côté, quelques sacs. Dans cette partie là, il y a un peu tout. Il y a des blouses, des robes, des bodys, plein d'autres sacs juste ici. Ici c'est tout ce qui est pantalon, jean. Et là j'ai des vêtements de sport parce que si vous n'avez pas suivi, je me suis mise au sport. Et ici nous avons tous mes pulls, c'est à dire tout ce que je mets tous les jours. Donc let's go, on va tout trier ensemble. C'est parti. On va commencer par les vestes. Celui-là, je le mets pas. Celle-là, je la mets plus. Une sorte de blazer un peu en cuir beige à essayer, mais je pense que je vais la vendre. Ça, je garde. Ça, je garde. Bon, elle, je garde. Elle, je garde. Bon, là, il n'y a pas grand-chose en fait qui part. Il n'y a pratiquement rien. Celle-là, je la vends. C'est une robe Jennifer comme ça, cintrée. Ça, je garde. Ça, je ne garde pas parce que je ne l'ai jamais mise. Ok, on garde, mais juste pour le fun. Celle-là, jamais, jamais non plus. Par contre, au niveau des sacs, bah, ce sac, je. C'est vrai que j'aime plus, mais je vois plus l'intérêt en fait. Donc il vire. Ok, passons au pantalon et au jean. Celui-là, jean Zara à trous, je mets plus. Ce pantalon là, non, il vire, je le mets jamais. Celui-là, un peu inutile. Celui-là, ok. Et celui-là, bon d'accord, mais juste pour le fun. Et en bas non, j'ai rien à vendre. Ok, c'est rapide hein. Ça, pull gris sans manche, je ne garde pas. Pareil, j'en ai un noir aussi, noir sans manche. Mais je crois que je vais le vendre aussi. Ça ok, ça ok, ça ok. Impossible de me débarrasser de mes pulls noirs, ce sont mes chouchous. C'est normal. Mais ouais non, j'ai quand même pas mal de trucs. Franchement, j'ai fait un bon tri. Je vais essayer tout ça au cas où. Je fais des photos Vinted. Donc c'est bon là, j'ai fini de tout prendre en photo, donc je vais tout ranger. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo il me semble, tout ce que je vends en fait je le mets dans les tiroirs. Ça c'est les trucs à vendre où il y a déjà les photos sur Vinted. Ça c'est des fringues où il n'y a pas les photos encore qui sont mises sur Vinted. Hop. Et ça c'est des trucs qu'il faut que je prenne en photo aussi. Mais là ça y est, j'ai la flemme, mais j'avais oublié que j'avais ça. Le truc à mettre aussi, parce que ma mère aussi elle me passe des fringues, comme ça je les vends aussi sur Vinted. Ouais, du coup là tout ce qui me reste ici, bah ça passe plus dans mes tiroirs. Du coup bah je vais devoir les remettre à leur place. Je mettrai les articles en ligne quand cette vidéo sera sortie. Comme ça, ceux qui ont vu ce que je vendais pourront peut-être plus en priorité en profiter. Et souvenez-vous, hier je vous ai parlé du petit lunettier. Et du coup, en fait, je voulais vous présenter toutes les paires de lunettes que j'ai parce qu'elles se situent juste ici. J'ai la moitié ici et la moitié chez mes parents. Je commence à en avoir pas mal et je voulais vous les montrer porter pour vous montrer un peu bah, les modèles qu'il y a directement sur le site. Bon, bah, je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de paires et encore, j'ai que la moitié ici et l'autre moitié c'est chez mes parents. Je vais vous montrer
montrer moi mon top 3, top 4 on va dire. Il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence, mais c'est des paires que j'adore. Comme je vous ai dit hier, j'aime bien tout ce qui est grosse monture, etc. Et encore, j'aimerais bien avoir plus gros. Mais ce genre de paires, c'est les Arsène.L. Elles sont trop canon. Elles, c'est la Emily.C, il me semble. Pareil, super belle. Une monture dorée comme ça, super fine. Elles sont trop trop belles. Et mes préférées que je vous ai partagées pendant très très longtemps sur Insta, c'est les Lydia.A. Je les ai en deux coloris carrément. J'ai les noirs comme ça, et j'ai aussi les écailles du coup, et je sais qu'ils en font une autre paire, un autre style d'écailles et un peu dans les tons beige, et j'aimerais trop 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 l'avoir. Et par exemple, celle-ci c'est la dernière que j'ai eue, et je suis directement allée la chercher en magasin. Je sais pas si vous savez, mais il y a 10 magasins en France du petit lunetier. Il y en a un à Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice, Nantes, Montpellier. Au total, il y a quand même 10 magasins. Pour ceux qui habitent dans des grandes villes, n'hésitez pas à voir si vous faites partie de ceux qui ont une boutique, le petit lunetier chez eux. Mais en fait, ce qui est super cool, c'est que c'est vrai que c'est assez difficile de choisir des paires sur un site internet sans pouvoir les essayer, parce qu'on sait pas trop au niveau de notre morphologie, au niveau de la taille, etc. Et ça va bien nous aller. C'est pour ça qu'en fait, le petit lunetier, ils ont décidé de créer un système d'essayage virtuel. Donc je vais vous montrer parce que je trouve ça incroyable, parce que du coup tu peux essayer toutes les paires du site, et je connais très peu d'opticiens on va dire en ligne qui ont ce système là, et je trouve ça vraiment top. Donc en fait vous avez juste à vous rendre directement sur le site internet, voilà du coup le site, vous allez sur n'importe quelle paire, moi je vais faire les lumières bleues. Là par exemple on tombe sur la Lydia écaille, et donc en fait là vous avez ça, et là juste en bas vous avez essayez-les, et donc du coup vous faites ça, vous attendez, et là magie, vous avez la paire de lunettes bah, du coup sur votre tête simplement, et du coup voilà comment ça rend. Et en fin de compte, quand on voit comme ça et en vrai, bah, c'est grave similaire. Genre je vais vous montrer là du coup, vous voyez comment ça rend là sur ma tête. Donc faut pas avoir les cheveux devant, mais même sur le côté et tout, ça marche carrément. Très technologie, très high tech. Et du coup, voilà. Les vraies portées ça rend comme ça. Et les comme ça, ça rend comme ça. C'est pas magique ? Du coup je vais essayer avec d'autres paires pour voir si elles me vont, genre. Parce que je dois sélectionner une paire dans pas longtemps et je sais pas trop laquelle choisir. Donc on va prendre celle-là, j'aime bien. On va essayer les solaires. Par exemple on va essayer celles-ci, elles sont incroyables. Préparons-nous. Bah ma foi moi j'aime bien. Bon là vu comme ça. Non elles sont canon les gars. Moi j'aime bien hein. Vous aimez pas? Moi j'adore. Voilà, franchement c'est juste trop top. Et donc du coup pour ceux qui n'ont pas de magasin dans leur ville, ben, n'hésitez pas à aller essayer directement sur le site si jamais vous avez vu des petites pépites, des petites paires qui pourraient vous intéresser. Et du coup n'oubliez pas, je vous remets mon code promo EMMA30 qui vous offre moins 30% jusqu'au 1er février. Bon les gars, là il est 17h30, je suis fatiguée, j'ai trop envie de faire une sieste. Mais j'ai absolument envie d'avancer sur le montage de cette vidéo, parce que j'ai envie de vous la poster plus vite possible, parce que ma dernière vidéo elle date d'il y a 2 semaines. Je voulais grave avoir un rythme, en mode je vous poste une vidéo par semaine. Sauf que c'est vrai qu'avec mes cours ça a été assez compliqué, parce que j'avais, on était sur un gros projet, enfin en tout cas le projet du second trimestre. Du coup j'ai eu mon oral il y a pas longtemps, qui s'est d'ailleurs très bien passé. Et puis dans tous les cas c'était un peu compliqué pour moi de filmer. Et puis même si je pouvais faire des productive day, productive morning, etc, ben j'allais juste travailler. Donc je sais pas si c'est vraiment très 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 intéressant. Du coup là je vais me poser, je vais faire 1 heure, 2 heures de montage. Ce soir je vais encore au sport. Ce soir je vais avec Claire, c'est dos et biceps je crois. Après on a réservé pour 20h30, donc on verra suivant ça. Mais du coup jusqu'à ce soir je pense que je vais que faire du montage, parce que j'ai vraiment envie de bien avancer. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Bon là les gars, je vous avoue que je triche un peu, je suis un peu obligée d'être honnête avec vous. Nous ne sommes pas vendredi soir mais samedi soir, parce que hier soir après la salle de sport on est parti chercher McDo avec Claire, et après on est parti bouffer chez elle et tout, on s'est maté des petits trucs à la télé et tout. Et bref, j'ai pas forcément pensé à filmer, je vais pas vous couper la vidéo comme ça et sans vous laisser sans ma dernière petite soirée. Mais je vais quand même aller rendre visite à une copine qui s'est fait opérer des amygdales, la pauvre choupinette. Je vous prends avec moi, on va la voir, surtout qu'elle a un nouveau petit bébé chien. Every yesterday is longer than the time we've left to spend. Voilà les gars, j'ai envie juste de rentrer.
rentrée à vélo, j'ai eu giga froid. Il est quand même 2h30, 3h du mat. Je vais juste me faire à manger parce que j'ai super faim. Et après, j'ai eu mettre un petit film, aller dormir. Je passe une bonne petite soirée avec mes copines. Donc voilà, la vidéo maintenant terminée. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Ça me fait grave plaisir d'avoir des retours de vous, que ça soit positif ou négatif, mais constructif. Voilà, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.